Non, pas que c'est symbole, ta. Vite, gars, on dispose à ton. Il y a 20 ans dans l'État. Pendant que je parle, je vais dormir dans la belle étoile. On débat pour le sud. Puis, je passe par la ville locale. La petite papa ou chef. Pendant que je vais dormir, d'ailleurs, je ne comprends pas rien. Toutes les gens qui viennent, nous ne connaissons pas. Nous ne connaissons pas. Pendant que je dormir, Montana. Yo c'est colon. Nous sommes esclaves. Yo c'est colon noir. Nous sommes considérés comme esclaves. La vie des esclaves a revendiqué. A pris trop long. Tempo, esclaves a revendiqué. Parce que moi-même, Dieu, son bataille est tout en bataille. Nous avons dit, bataille, nous avons dit la guerre. Vous n'avez pas comprendre, grand sud, qui a visé les gars, qui a écrasé, qui a tombé à la belle étoile, pas aucun chef qui est là, qui a posé une question, qui dit rien. La population a revendiqué l'étoile, comme représentant de l'État. Les lapins ont tombé, ils n'ont pas rien de tête, ils ont été venus. Yo Dieu frustré pendant cette frustration. Je suis perdu vim pendant que je représente les gars des ministères. Qui ministère? Ministère n'a pas répondu à la revendication, mais ou même qui représente là, les voix de la population qui a coupé dans la misère dans le grand sud. Maintenant, en tant que ministre, je demande de ressaisir parce que vous avez une allocation. Yo doyen t-shirt rose d'art depuis président Mouye Bajan Banoul. Et bon paquet mon capitaine avec d'abord et nous gagnons pendant ma parole on a gagné visé les gars au sommet pour dette dans le jour cabinet n'a pas la presse sommation yo. Mais nous connaissons docteur Ariel nous fait connaître priorité c'est regagner confiance tout le monde dans le département sud mais nous même comment ça évolue. Pendant ma parole là mon Randel quartier Randel yo dans situation difficile. Même aide la bagnole, c'est l'hélicoptère qui a supporté Alba Mounsa. Il y a coupé dans la misère. Pas de route, c'est seulement l'hélicoptère qui a capable de manger. Mais vous avez compris, est-ce qu'il a fait au CAE, surtout dans l'aéroport en grand ciment? Si vous avez nous mettons la côte, nous ne nous mettons la côte là, nous ne pas. Là, on dit que Chadonien ne pas aide là. Et nous ne représentons pas l'État central là. Nous-mêmes, comme représentants de l'exécutif là, nous ne pas aide. Nous ne pas aide là. Si imaginons, nous avons déjà 230 pour la population. Chadonnier a 2000 familles, Randel a 2500 familles, pour avoir 230. Là où il 230, nous avons 140 dans la ville de Chadonnier, y compris section première là. 60 pour Randel. Là, ça veut dire qu'on ne peut pas couper dans la misère. Monsieur, de la sont dans la monsieur, pendant que vous avez humanité là, on dispose de Chadonnier. Comment est la situation est parce que nous connaissons votre autorité à nous en plus l'activité. Situation lamentable pour nous. D'abord, il faut faire une intervention pour avoir un temps pour nous avec là. Ça peut dire, on va dire nos bagailles. Les gens qui nous sentent, c'est si mon 14, 15, 16 ans, la nous dit qu'il y a un ancien truc. Il n'y a pas de maladie, oui, pendant l'ancien, dans une bâche, son façon. Pour nous tirer le côté, pour nous déployer côté, pour nous écraser. Pour nous mettre dans le côté, dans le jour où il y a une prise pour l'État et la prise pour la société. Et ça me donne merci. Non, pas monsieur, je sais que j'ai visé à un dispo chadonnier. Il y a 20 ans dans l'État. Est-ce que le délégué sud là avec l'autorité, magistrat, qu'est-ce que vous faites avec nous, le premier délégué? Nous coordonnons, les ONG viennent, les ONG viennent, mais Chita ONG, c'est comme si pour moi, c'est enquête qui a mené, c'est action pendant cette peuple à la belle étoile. C'est action ponctuelle qui pour gagner. Il faut que nous venions tant avec Préla, parce que la pierre tombe chaque jour, la population en situation difficile. Mais protection civile, par exemple, nous. Protection civile, faible tout. Les Nédadiou, elle arrive dans le sud. Nédadiou, c'est la capitale de Port-au-Prince, oui. Donc là, t'as avancé votre position. N'ayez pas de monsieur Chita, il a garoté l'argent. Par contre, c'est une réalisation effective, non? N'ayez pas de monsieur Chita. Il a fait bien, pendant cette population, on vit dans la misère. Infrastructure, école crasée, l'église crasée. Elle dit que le peuple là, par contre, il y a l'école ouverte. Le 16 septembre, pas après. Dans le sud, grand sud, pas de l'école ouverte le 6 septembre. Parce que les gens dans la misère et pas de l'école. Toute l'école crasée qui est endommagée. Qui compte pas ouvrir l'école ça? La population en situation difficile. Mais moyen pour ne pas gagner pour manger, pour l'acheter un prêt là. À l'école, pas de moyen pour éviter l'école. Non, inacceptable. Non, pas M. Justin Borja, vice délégué arrondissement Chardonnier. Délégué Jean-Paul Ndiaye, et moi spécialement, c'est vice délégué arrondissement de Bourg-en-Bresse. Et moi, c'est nous, c'est représentant président direct et l'exécutif. Et je dis, présence nous là, dans le ministère, là, c'est parce que nous n'avons pas qu'on existence. Déjà, même sous président, avant même de mourir, il y a des ministres qui passaient là, y compris le directeur général, et chaque nègre a fait parole à régler, il oublié si nous existait. Et moi, c'est aujourd'hui, nous venons là, c'est pour nous dire, nègre. Il y a des gens qui peuvent penser au café dans la rue sous son président Jovenel Moïse. Et je dis à nous connaître, il y a là-dedans au trempé. Et nous-mêmes, en tant que fils délégués, nous avons gagné
pour nous aider là dans la rue jusqu'à ce que le président joigne et justice. Et l'autre bagaille qui fait nous venir, nous avons demandé pour tout le monde qui est là, tout employé, sorti. Parce que je dis à si un ministère, soi-disant qu'il y a des moyens qui dépensent pour lui, il n'a pas existé, il n'y a aucune raison pour qu'il y ait des employés qui là. Je dis à Amos, Zéphirin, y compris ministre, tout le monde est dans l'hôtel Caribé. Et je pense que nous-mêmes, Mathieu, nous venons nous demander pour tout le monde qui était bio, nous sommes dans l'hôtel Caribé pour aller jeune Amos Zéphirin. Et Green Bagay m'a dit, je ne sais pas comment. Qui ça dit que ça utile même à travers le ministère de l'Intérieur. Et je dis à ma comprendre bien, c'est une des raisons qui fait que ça a été chambardé, Fetnel mon chéri, que là, tout dossier ça a sous dos et vous avez fait le ministère là, tout n'est pas. Mais depuis le ministre, le directeur général, par exemple, je suis avec vice-délégué. Jamais. Pour d'abord, le directeur général, ça n'a pas existé. Lui pas existé. Depuis l'aile montée là, je ne sais qui ça le fait. Parce que le grand problème, nous avons un deal, nous avons mis en face président à Bizarre Bis pour nous dire que pas n'y a aucune raison pour vice-délégué ta sous compte ministère de l'Intérieur. Parce que là, c'est des boîtes qui enrichissent. Je dis qu'on est venu là, on vient bien pauvre. Dans moins qu'il y a un mois, il fait côté mon patadoué même penser. Parce que nous avons une collectivité là, il y a bambilé. Pendant ce temps, malheureux, malheureux, il a ménagé pas qu'à toucher, vice-délégué pas qu'à toucher, pas qu'il y a des gens qui ont touché dans le pays. Comme si nous avons un seul ou deux fois pour nous régler. Je n'ai pas besoin de bagaille. Et nous excusez-moi par expression. Pas de monde qui mange pas caca. Quel que soit ça, il doit manger à boire. Parce que l'argent peut là, il doit y avoir un peuple là. La population qui travaille là, il doit y faire bénéficier de ça qui revient de droit. Y compris nous-mêmes, vice-délégués, qui travaillent, qui risquent la vie à travers tout le pays. Et je dis à nous comprendre comment il y a un pardon et un tremblement de terre qui se passe. Et nous avons des collègues dans le sud-est, dans le sud. Comme si même en temps, il n'y a pas qu'à joindre pour fonctionner. Et pendant ce temps, il doit entrer à travers tout le pays. Et nous avons dit, premier ministre, soi-disant comme celui qui est en charge des pays, vous le voyez yeux, vous le voyez yeux, regardez le peuple ça. Parce que nous-mêmes, je dis à nous ne pas vice-délégués seulement parce que nous ne sommes pas condamnés pour vice-délégués. Le matin, nous quitté le job là, nous avons des militants et nous avons boumé à travers tout le pays. Parce que quand des vice-délégués, c'est pour jouer. Vous voulez tout casser, c'est le mouvement qui lance aujourd'hui là. Le mouvement lancé à partir de aujourd'hui. Nous avons pays à ce compte. Et je pense que le premier ministre qui attend de nous là, nous avons un directeur là qui n'a pas existé. Nous avons ce qui forme, qui ça le faire pour le directeur qui est capable et qui a maturité, qui comprend le monde, qui permet au ministère d'avancer. En cas où le premier ministre prend une décision, il dit tout vice-délégué, délégué pas existant encore parce que c'est vous êtes un président de par un président. Nous sommes au même bagage là. Parce que premièrement, nous ne pas faire vice-délégué. Ok, nous chaque qui fait là, nous sommes sortis en dedans votre maman, nous, moi-même, moi et Johnny, je vis les collègues, chaque n'est pas nous. Parce que demain matin, nous révoquons, nous avons toujours été monde nous là. Pour nous faire continuité. Ça nous fait en tant que responsable, en tant que leader communautaire, en tant que monde soi-disant qu'on a abouti à bataille, en tant que militant. Et moi, je dis que nous avons une bagaille. Je ne sais pas si vous comprenez nos positions finies. Le président a dit que nous avons une bagaille avant même d'être assassiné. Il a dit que nous voulons aller et nous ne pouvons pas nous faire. Fini. Nous-mêmes, nous sommes une bagaille. Mais il y a compris. Il y a compris. Nous ne pouvons pas mettre des questions. Vice-délégué de l'arrondissement de Bourgogne. Nous saluons la présence de la presse parlée, écrite et télévisée. Nous représentons 42 vice-délégués qui représentent 42 arrondissements du pays. Donc, le mouvement noir, le visé deux grands objectifs. Premier objectif, là, c'est que nous réunions à l'unanimité. Vous demandez justice au président Jovenel Moïse. Parce que nous parlons deux mois depuis que le président a assassiné. Et jusqu'à date, il n'y a jamais rien qui fait. Et nous sommes demandé 77 fois, 7 fois, pour que le président joigne justice. Deuxième objectif du mouvement noir, c'est que ça fait près de 30 mois. Nous ne pouvons jamais joindre un vrai fonctionnement. Même chèque ordinaire là, qui est consulté chaque mois depuis le président mourit, découpé. Ou bien contractuel dans le ministère, nous ne pouvons jamais toucher. Délégation, vice-délégation, nous ne pouvons jamais recevoir en groupe. Même aide nous, nous avons venir. C'est tant de délégués à vice-délégués, tant de délégués dans le pays. Ministre avec directeur général, en l'occurrence, Amos Zéphirin, lui vide ministère là, lui quitte ministère là, l'Allemand Dana, lui prend ministère là.
de nous réunir matin à côté nous demander tout employé ministère pour nous ban nous ministère à blanche puis à joindre ministre avec directeur général. C'est ça. Et tout autant que monsieur pas venir chita avec nous là, nous dit ministre après des fonctionnels correctement. Depuis le nouveau ministre en mouté là, est-ce que pas jamais vous rencontre avec les délégués? Pas jamais vous rencontre du tout qui planifie avec les délégués dans le pays. Pourquoi le plus gros problème, non? Les délégués, comme les délégués, à chaque fois, soit pour un directeur général ou bien un ministre, régler un bagage, vous fourrez toute longueur dans la prison publique. Prison publique chargée l'argent. Comme président Mouy, comme vous délégué nous, et présenter. C'est représentant président de l'arrondissement. C'est vous qui avez fait ça, vous avez vague. Depuis le président Amoui, vous avez coupé contact avec. Ça veut dire le président nous représente ou soit exécutif nous représente? Non, nous représentons officiel direct président. Mais est-ce que c'est les Amoui qui fait YouTube nous vague? Comment vous pouvez ça? Bon, je pense que premièrement, nous-mêmes.